pas politique, je faisais juste la remarque. On avait du mal à travailler ensemble. Maintenant, je prenais des exemples et je pense qu'on y est aussi pour quelque chose. En fait, l'idée, encore une fois, c'est pas de alimenter la politique, la polémique. Hein, vu que de toute façon, pour moi, on doit réussir une rencontre, on doit travailler ensemble. D'ailleurs, c'est bien la vocation des stages croisés. Donc, au-delà de ça, je pense qu'on est assez adultes. On est complètement à côté dans l'accompagnement de ces personnes qui souffrent de maladies mentales. Les formations croisées, c'est une action qui découle d'un projet de l'ANAP qui a été la mise en place d'un diagnostic territorial, des parcours en psychiatrie santé mentale pour les adultes chroniques, qui ont des difficultés chroniques. 3 ARS se sont portés volontaires pour qu'on les accompagne dans la mise en place de ce diagnostic territorial. Et aujourd'hui, on est sur celle du Nord-Pas-de-Calais, qui a la particularité d'avoir fait des formations croisées théoriques et des formations croisées de stages pratiques. Cette formation stage croisé a permis aux professionnels de faire évoluer leur représentation, de changer de regard et de croiser les regards sur le handicap psychique, de créer du lien, de développer des partenariats ou d'envisager des nouveaux partenariats. Dans les 3 jours de formation théorique sur les troubles psychiques et leurs répercussions, l'UNAFAM a été sollicitée justement pour évoquer la place des familles dans le parcours de vie de la personne handicapée psychique. Vis-à-vis de l'usager, la formation a changé ma façon de l'accompagner. Quand l'usager a vraiment des problèmes et qu'on est obligé de le diriger vers un autre service, comme je connais maintenant le service un petit peu mieux, je peux justement l'accompagner avec plus d'éléments et pour qu'il soit plus serein dans son départ. Réunir dans un même stage des professionnels du social, du médico-social et du sanitaire, et puis des représentants de famille, évidemment. Je trouve que c'était un vrai challenge, mais un beau challenge. Si je devais retenir, résumer la formation croisée en un seul mot, je dirais partage de pratiques professionnelles. Et j'encourage mes collègues du sanitaire et du médico-social à faire cette formation parce qu'elle est, elle est enrichissante. À la fin des 3 jours théoriques, ça m'a donné envie d'aller voir ailleurs. Je ne serais pas choqué que sur le service, au moins la moitié des gens aient fait la formation stage croisé à terme. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer à partager, à échanger sur nos parcours, parce qu'on a tout à gagner et rien à perdre.